Olivier, c'est André Lamy de M7 pour l'émission Plaisir d'épices. Oui, allô André, je suis vraiment désolée. Mon mari n'est pas disponible pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez la liste des nouvelles recettes comme c'était prévu pour demain en fin d'après-midi. Espèce de petite pute! Tu crois que tu vas t'en aller comme ça avec le Yéphane de Villiers? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh! Olivier! Il se passe que cette petite pute essaie de s'en aller comme ça avec le Yéphane de lâche, Villiers. Lâche-la! Là! Tu vas encore t'attirer des ennuis. Donc, des 18 500 euros que votre Stéphane Villiers me rapporterait, 12 000 euros iraient pour mon Minerval annuel, 5 000 euros pour la cantine et ma chambre, 1 000 euros pour mes livres et mes cahiers, et 500 euros pour le voyage jusqu'en Suisse. Mais enfin, Lucie, et ta maman? Y a personne pour t'aider? Bah, c'est pas pour rien que je prends un internat en Suisse, je parle que le français et je peux pas aller plus loin. Et alors? C'est pas parce qu'on a envie de s'en sortir qu'on doit nécessairement voler les honnêtes gens, hein? Non mais c'est simple à dire pour vous, vous faites une émission spéciale macaroni et vous gagnez plus que n'importe qui en un an. Ça change rien pour vous de me donner votre Stéphane Villiers. Ah non. Yéphane de Villiers. On s'en fout. Personne le connaît. Écoute ma puce, on va voir ce qu'on peut faire. Non, non, on va rien faire du tout. Hein? Elle va gentiment virer ses petites fesses de mon salon là et laisser mon Yéphane de Villiers tranquille. Voilà. Olivier Jacob, je te rappelle qu'on est en train de parler d'un cadeau de mon père. Et je décide encore, monsieur Top Marmiton, de ce que je fais de mes avoirs. Prends-le. Non, mais je suis pas sûre que... Non, non, prends-le. Je dirais qu'on me l'a volé. Alors, merci. Bonne chance. Dites pas mon nom.